Auxerre 12e accueille Le Mans 13e, 24 points pour chacune de ces deux équipes. Un match serré s'annonce, la JA privée de deux joueurs présents à la CAN, Koulibaly et Sekbefia. Haddad est blessé et Oliech vient de quitter le club pour rejoindre la CAJ-Axio. Le Mans doit jouer sans Boyon, Derouard et Tomer. Les Manceaux vont essayer d'obtenir un bon résultat à l'extérieur, ça s'annonce compliqué. Des Manceaux menacés par cette première occasion pour la JA. Des Auxerrois qui insistent avec ce coup franc, mais le ballon capté par Jérémy Janot. Le Mans est la pire équipe de Ligue 2 à l'extérieur. 5 points sur 33 possibles seulement. Mais problème pour la JA avec un changement au quart d'heure de jeu. Mayens, le gardien remplaçant, entre en piste à la place de Sorin, blessé. Ça peut changer quelque chose dans ce match. Les Auxerrois restent les plus entreprenants, mais Le Mans résiste. Des Manceaux qui n'ont gagné qu'un seul match à l'extérieur cette saison pour 2 nuls et 8 défaites. 5 buts marqués à l'extérieur seulement. Pour l'instant, les Manceaux font ce qu'ils peuvent, mais résistent. Un bon 0-0 au stade de la Baie des Champs. La Géocère n'a gagné qu'une seule de ses 5 dernières rencontres à domicile. Des Bourguignons en perte de vitesse à la maison et qui doivent absolument s'imposer. Dès le retour du vestiaire, une première occasion spectaculaire permet de se remettre en confiance. Des Auxerrois qui continuent à presser sur le but Manceau. Jérémy Janot qui boxe ce ballon, la reprise et le ballon est contré. Les Manceaux qui restent dangereux sur quelques contre-attaques, en voici une intéressante. Mais le ballon est stoppé par le jeune Mayens. Auxerre a toujours besoin d'un but, ça passe à côté. Pas de réalisme, on se dirige peut-être vers un 0-0. Les Manceaux qui ont quelques contre-attaques, encore un ici. Intéressant ce ballon rattrapé par le gardien. Auxerre se bat mais n'a pas de réalisme. Et lorsque le ballon est cadré, c'est Jérémy Janot qui sauve son camp. Les Auxerrois qui continuent et qui ouvrent le score. Voilà enfin le but. Olivier Capot, 79e minute au moment où le 0-0 était craint par les joueurs de la JA. Le but arrive par l'intermédiaire d'un des joueurs les plus expérimentés. Son 6e but de la saison, ça fait 1-0. Les Manceaux qui, à la fin du match, croient en une égalisation. Ils font bien dans les arrêts de jeu. 91e minute, la catastrophe pour Mayens qui fait ses débuts en Ligue 2 et qui relâche la balle. C'est terrible pour ce jeune gardien. Égalisation du Mans à un but partout. Les Auxerrois ne parviendront pas à marquer le deuxième but. C'est un coup d'arrêt terrible pour la Auxerre. Les Manceaux obtiennent un très bon point à l'extérieur. Un but partout entre Auxerre et Le Mans.